Salut, bonsoir, c'est Polo et bienvenue dans notre 15e partie sur Until Dawn. Et maintenant, nous allons aller chasser la bête. Je dois lui tirer dessus au fusil combien de fois avant qu'il crève enfin? Oh, il faudrait que tu tires très longtemps. Vous voulez dire que ça le tuerait pas? Non, mais ça le ralentirait. Alors, comment on le tue? Je supporte pas le feu. Moi non plus. Ils le craignent. Et ça peut les tuer au besoin. Leur peau est dure. Dure comme une carapace. Sauf si on la brûle d'abord. C'est dégueu. Allez, je me sens beaucoup plus en sécurité avec lui. Et à quoi on doit s'attendre? Par exemple, ils sont complètement imprévisibles ou au contraire, on peut prévoir ce qu'ils vont faire? Ouais, ils ont quelques habitudes. Comme les animaux ou les hommes. Comme par exemple, une sorte de programme? Eh bien, une chose que... Oh. Pourquoi? Je l'aurais pas demandé. Ah bon? Y a pas un guide du Wendigo? Je peux pas me frotter de l'ail sur le corps pour couvrir mon odeur? Non, ça marchera pas. Y a vraiment rien d'autre? Ils te verront pas si tu bouges pas. C'est comme les crapauds. Leur vue est basée sur les mouvements dans leur champ de vision. Donc si je bouge pas, en gros, je suis invisible, c'est ça? Ouais. Ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire. Sauf en dernier recours, évidemment. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti. C'est trop tard. Chut, silence. Faut qu'on s'en aille. Tout de suite. On doit trouver Josh, il est peut-être encore là. D'abord, le Wendigo. Il t'immobilise. Ensuite, il t'écorche vif, de la tête aux pieds, morceau par morceau. Après, il te maintient en vie et conscient pour dévorer tes organes les uns après les autres. Rentrons alors. Oui, allons-y. Il est sûrement pas loin. Donc, si on te mange vivant, t'es plus délicieux, c'est ça? D'accord, compris. 10 sur 10. Stop! Ne bouge plus. J'ai foiré mon cou! Cours! Cours, dépêche-toi! Oh, merde! Recule! Recule! La vache! On est à découvert. Il faut se tirer d'ici. Oh, ah, putain. Non, dis-moi pas qu'il est mort à cause de moi. Oh. Oh putain. Oh la vache. Ah. Fuck you, bitch. Fuck you, Anna. Get the fuck out. Oh, à cause de moi, le bonhomme est mort. Oh, Gollum! Ah, oh, waouh, t'es super lent! Wouah! Ah, waouh! J'ai un pouvoir de slow motion, une chance! J'ai vu sa gueule! Elle s'approchait de moi! Oh, oh, allez, saute-moi dessus! Et à la dernière seconde! Dans sa gueule! J'aurais dû tirer à droite, mais je prends pas de chance. Oh ben non, j'aurais dû tirer à droite, il y avait du feu. Oh putain, merci, laisse-moi entrer. Couche, Chris. Oh bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Il faut se barrer d'ici, ce truc était juste derrière moi. Cours. Oh non. J'aurais dû tirer sur le truc en... Ah. Salut Josh. Oh putain les gars, enfin. Qu'est-ce qui a pris autant de temps? C'est pas terrible là-haut maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Chris, il est où le type au lance-flammes? Ouais, il... Tu veux dire qu'il est mort? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La chose, elle l'a déchiqueté. Juste sous mes yeux. Oh putain. Bon, pas d'autre porte? Non. T'en es sûr? Qu'est-ce que tu cherches? Une autre sortie.
Mike, je crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait rester ici et ne pas bouger jusqu'à l'aube. On est en sécurité ici. Oh, ouais. Emballés comme des cadeaux avec un petit ruban pour que cette chose vienne nous déchiqueter le matin de Noël. Des gens vont venir nous chercher, dès le matin. T'as pas l'air convaincu. C'est comme ça que ça va se passer, hein, Emily? Ouais, enfin, j'espère. Bah, restez ici. Moi, je me casse. Mike, y a pas de clé pour le téléphérique. Josh, il doit l'avoir. Josh? Encore un de ces sales tours. Super, génial. Si cette saloperie a emmené Josh, alors, on est dans la merde. Je sais pas, Mike, c'est possible que... Qu'est-ce qui est possible? Elle l'a probablement emmené dans la mine. Quoi? J'ai vu des trucs horribles là-bas. Je crois que c'est là qu'elle vit et... Amy, quoi? Fais chier. Je vais chercher cette clé, direct dans la chambre de cette bestiole, et après je nous sors tous de cet enfer. Amy, c'est quoi tout ça? C'est le sac du vieux. C'est une carte? Ah, ce type était préparé à tout. Pas vraiment. C'est quoi cet endroit? Oh, bordel. Attends, hein, qu'est-ce que c'est? J'étais là-bas. C'était horrible. Sérieux? Il y a eu un éboulement dans les années 50. Des mineurs ont été piégés en bas. Oh la vache. Certains ont survécu, mais il y en a 15 qui sont morts. Il y avait un journaliste et je crois qu'il avait découvert qu'à l'époque on avait tenté d'étouffer l'affaire. J'ai trouvé ses plans. La mine était dangereuse, mais les mineurs continuaient d'y bosser. Et je sais pas ce que ça veut dire, mais j'ai trouvé cette chaise. Avec du sang séché partout, comme si on avait torturé quelqu'un. Michael, j'aimerais qu'on se concentre plutôt sur comment se casser d'ici, d'accord? Je dis juste que c'est flippant, tous ces trucs qui ont eu lieu ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un tunnel qui relie le chalet au sanatorium, vous voyez? C'est comme ça que je suis revenu. J'ai vu ça quand j'étais en bas. C'est là qu'il vit. M? M, c'est quoi? Hein? Putain, c'est quoi ça? H. Mais c'est rien, c'est... Ah, non, ça m'a mordu et... Juste mordu. Qui a fait ça? Le Wendigo. Le quoi? C'est rien, vraiment, c'est pas important. Tu vas bien? Merde. Ça fait même plus mal, vraiment. C'est pas si grave. M, si ce truc t'a mordu... Je sais à quoi tu penses, mais je vais bien. Vraiment? Oui. Emily, laisse-nous au moins regarder. Emily, si le Wendigo t'a mordu... Tu pourrais très bien devenir une de ces créatures. Oh, mais arrête tes conneries. Il a dit que c'était en mangeant les autres, il l'a dit, alors, souviens-toi. C'est comme ça que ça marche? Oui. Ça se fait quand ils te mordent, tu deviens comme eux, et après tu te retournes contre nous. Oh putain, c'est pas vrai. Tu peux pas rester ici avec nous. Quoi? Mike! Tu dois partir. Attends, tu te fous de moi? Non, tu nous mets tous en danger. Non, mais tu déconnes, là. Emily! Tu peux pas rester ici. Mike, tu te détends, d'accord? On sait pas si ça marche comme ça. C'est peut-être qu'une morsure. J'ai vu ce que font ces enfoirés. Et je veux plus jamais le revoir. Putain, mais... Les gars, qu'est-ce que vous faites? La porte est là. Je te laisse le choix de partir de toi-même. Oh non. Tu fais ça pour pas te sentir coupable de m'envoyer crever ailleurs? Alors que tu sais très bien qu'à Wendigo dehors, prêt à me déchiqueter comme il a fait à... Putain de merde, casse-toi! Bouge, dégage de là! Wow! Ok. Wow, Mike, calme-toi. Tu vas me tirer dessus? Mike, vraiment? Ici, c'est notre abri, M! Pitié! Et on n'est pas à l'abri tant que tu restes là! Non. Avec nous! Non! Arrête, fais pas ça! Oh non, je suis désolé. Non. Ok, c'est ça le totem de mort! Non, je vais pas gunshot, fuck that. Merde, j'y arrive pas. Oh putain, t'as fait le bon choix. Espérons-le. Peut-être. Pour l'instant. Merde. Fichier. Garde un œil sur elle. Si tu vois quoi que ce soit de louche, vous savez quoi faire. Ouais. Personne part. Compris. C'est dangereux dehors. Je vais vite revenir.
Au moins, j'ai pu choisir de la tuer ou pas. Wow. Je pensais qu'il allait nous aider. Le type au lance-flammes ? Maintenant, on est foutu. Non, mais ça veut dire qu'on doit rester fort. On doit y arriver tout seul. Je sais pas si j'y arriverai. Oh, d'accord. On verra qu'est-ce qu'il y a sur les Wendigo. Seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigo. Le mec est un peu dérangé. Hey. J'ai pas pu lire? Ok. Seuls quelques hommes ont... Seuls quelques hommes ont osé chasser les Wendigo. Je suis le seul qui soit parvenu à les garder sous contrôle. Tenez compte de ces mots ou vous mourrez. Et votre mort ne sera pas la dernière. Les Wendigo doivent rester enfermés. Ah, ok. Le Wendigo naît à cause du cannibalisme. Lorsqu'un humain est affamé et désespéré, piégé sur la montagne dans les tempêtes hivernales, lorsqu'il n'a rien mangé depuis des jours, l'esprit du Wendigo prendra possession de lui. Même le plus fort des hommes ne peut y résister. Il tuera sans remords, souvent d'autres compagnons qui voyageaient avec lui. Il dévorera la chair crue des cadavres. J'ai vu tout cela arriver il y a de nombreuses années. Une soif de chair inextinguible... Ça commence bien. Puis le changement commence, les yeux deviennent blancs et laiteux, puis les dents poussent comme des crocs, la créature grandit et sa peau s'étire sur ses os. D'accord, on a les symptômes, c'est cool. Alors Emily, t'es mieux de pas te faire fourrer dans le cul. Ce journal est un compte-rendu sur les Wendigo, cette créature est réelle et dangereuse. Si vous lisez ceci, vous aurez certainement des questions, mais je n'ai pas toutes les réponses, ce ne sont que les preuves et les histoires que j'ai vécues. D'accord. Seuls quelques hommes ont été. Une tribu vivait autrefois dans ces montagnes. Les Cré, leur chaman, raconte l'histoire d'une immense créature née dans la glace. Un sacré passif dans tout ça. La tribu respectait la montagne et tous les animaux qui y vivaient. La montagne devint peu à peu sacrée pour les Cré et les animaux. Est-ce qu'on dit Cré ou creux? Je sais pas, je vais dire Cré. Je suis désolé si je prononce mal le mot, mais c'est la vie. Et les animaux également. Les Cré croyaient que blesser un animal dans la montagne portait malheur, c'est pourquoi ils allaient chasser ailleurs. Okay. En 1893, les mineurs arrivèrent, ils trouvèrent du fer et plus tard des traces de radium. Ils creusèrent toujours plus profondément au cœur de la montagne sacrée. Les Cré disent que la montagne hurla et que l'esprit fut libéré. Les yeux du Wendigo changent. Ils deviennent plus vifs, plus précis. Le Wendigo voit les mouvements. C'est un chasseur comme un aigle. Ça dit que comme les Wendigo ont muté à partir d'humains, lorsqu'ils nous chassent, ils savent très bien comment imiter leur proie. Ça commence bien. Et puis ce premier plan sur ton visage, ça m'a fait peur. Dis-moi pas qu'elle commence à se transformer derrière là et que je sais pas. Attends, ils deviennent plus vifs, plus précis. Le Wendigo voit les mouvements, c'est un chasseur comme un aigle, mais il ne perçoit pas l'immobilité. Si vous restez parfaitement immobile, alors le Wendigo ne vous verra pas. La peau et la chair des Wendigo sont dures comme une armure. Ils semblent ne pas ressentir la douleur. Ils ne peuvent pas être poignardés ou coupés. Les balles ne traverseront pas leur peau, bien qu'un fusil à pompe puisse les repousser. Comme le Wendigo a muté depuis l'humain, il sait comment nous chasser. Il peut parfaitement imiter sa proie. Vous devez rester vigilant et méthodique. Aïe, aïe, aïe. J'ai tué 6 Wendigo. Les couteaux ou les balles sont inefficaces contre eux. Utiliser un lance-flamme, c'est la meilleure arme. Le feu les enveloppe, brûle leur peau. Elle les affaiblit. Mais n'essayez pas de les tuer. Il ne faut les tuer qu'en ultime recours. La mort libère l'esprit du Wendigo dans les airs. Je les ai contenus, j'ai utilisé des pièges pour les attraper et le feu pour les enfermer. Les pièges étaient recouverts de membres d'humains provenant de ceux qui n'en avaient plus besoin. Un par un, j'ai attrapé ceux qui avaient infesté la montagne. Oh boy. Bon, je vais pas lire tout de suite parce qu'il y aura quelque chose qui va arriver. Ah, pas de commentaire? D'accord. Il existe quelques défenses. Les chamans parlent de rituels. J'ai trouvé des artefacts des locaux sur la montagne et les ai répliqués. Des totems, des mélanges d'herbes et de plumes. J'ai copié leurs artefacts, je les ai testés. Dehors sur la montagne, ça fonctionne. Ils éloignent les Wendigo. Pas entièrement, mais suffisamment. Mais à l'intérieur, ils ne marchent pas. Les légendes créées affirment que le Wendigo peut infecter un homme en le mordant. Mais sa morsure est sans danger. J'ai été mordu, mais je ne me suis pas transformé. Le seul moyen est de manger la chair de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'autre moyen. Oh, ok. Nice, nice. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça dit? Oh.
t'a rassuré. Ça va aller. Dissimuler, juste un truc de fou ici. Ah, rassuré. Non, il faut dire ça à tout le monde. Ah, c'est qu'un ramassis de conneries. C'est plutôt dur à croire, en fait. Ce mec a l'air d'être un gros taré. En fait, je voulais dire qu'il merde. Ne faut pas. Merde. Elle est partie. On doit rejoindre Mike. Tout de suite. En fait, je n'en ai pas parlé à tout le monde parce que j'ai dissimulé le truc. Oh, Joshua. Vous auriez dû m'écouter. Des gens sont morts à cause de vous. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. Déclencher une série d'événements résultant en la mort de quelqu'un. Ou observer passivement une tragédie se produire. Parce que vous ne vouliez pas lever le petit doigt pour aider quelqu'un d'autre. Comme l'année dernière, hein? Quand vous avez laissé mourir vos sœurs. Vous n'avez rien fait pour les secourir. Paralysé par votre peur égoïste. Alors que le danger était bien réel. Tout tourne autour de vous, Josh. Vous êtes si égoïste. Votre petit jeu a tourné au drame. Et vos amis, comme vos sœurs, vous ont abandonné. Vous voilà seul. Sentez-vous le poids de cette terrible solitude? Hein? Pourquoi leur faire du mal? Chris était votre ami, hein? Pourquoi une telle haine envers lui? Ils m'ont fait du mal, je n'ai fait de mal à personne. Et vous avez vu l'endroit? Ça change. Et puis tantôt, lorsque j'ai dit « Ah, il faut que je le dise à tout le monde », en fait, je voulais dire « Il ne faut pas le dire à tout le monde. Je me suis trompé. Je n'ai fait de mal à personne. » C'est dans sa tête. Oh, bien sûr que si. C'était vos amis. Vous les avez trompés. Vous leur avez menti. Et vous leur avez fait vivre une nuit d'horreur absolue. Je vais parler en tant que Josh. Il est fou dans la tête, n'est-ce pas? Ce n'était qu'un jeu. Rien qu'un jeu? Mais c'est un jeu qui vous a confronté à l'une de vos plus grandes phobies, Joshua. La solitude. Mais bon, nous allons continuer notre aventure la prochaine fois. Alors j'espère que vous avez apprécié cette partie sur Until Dawn. Et il y a quelque chose qu'il faut absolument que je précise. Pourquoi ai-je dissimulé le contenu du journal du vieux monsieur? C'est tout simplement parce que selon la légende, si tu te fais mordre par un bonhomme cannibale, tu deviens un cannibale toi aussi. Mais lui... C'est vrai qu'il a précisé qu'il s'est fait mordre et qu'il ne s'est pas transformé en Super Saiyan des montagnes, mais c'est peut-être parce qu'il a des anticorps, peut-être c'est un cas unique, on sait jamais. Vous savez, il y a toujours des cas uniques dans la vie. C'est comme la langue française, il y a toujours des règles uniques par-ci par-là, alors voyez ce que je veux dire. Donc, je veux garder un œil sur Emily, je ne veux pas rassurer le groupe parce que si on rassure le groupe, tout le monde va dire « Oh, ok, le gars s'est fait mordre, il s'est pas transformé, alors fuck that, on va plus surveiller Emily ». C'est pas une bonne chose parce que si elle se transforme, on sera dans le caca de chien. C'est pas bon du tout ça. Mais bon, alors nous allons continuer ça la prochaine fois. Alors si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout vous abonner à cette chaîne pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Bye bye!